Capucine, Louison et Méline, voilà la deuxième vidéo de piano, j'espère que ça va vous plaire. On écoute ce que ça donne et on en parle juste après. A tout de suite! J'espère que le morceau vous plaît. On va le voir tranquillement ensemble pour que vous puissiez le faire. Okay, donc il y a une petite progression comme vous avez vu. Au début, on va commencer avec la main gauche, qui est la main des basses. Et ensuite, on va faire la main droite. Et ensuite, on fait les deux en même temps. Voilà. Comme ça, on ne fait pas que la main droite qu'on a l'habitude de faire. Donc là, on va faire vraiment les deux en même temps, dans une petite progression, et on va voir ça ensemble lentement. Donc ici. Voilà, on va commencer ici sur le mi. Donc, vous prenez un mi un peu vers les graves de votre piano. Donc, ça dépend si c'est le nombre de touches que vous avez, mais vous écoutez par rapport au son. Voilà, qu'il soit assez grave quand même. Après, on va pouvoir mettre la deuxième main ici avec une octave de différence. Ok? Donc, là, du coup, ça commence avec la main gauche toute seule. Et on commence sur le mi. Donc, vous mettez la main avec le petit doigt sur le do, l'annulaire sur le ré, le majeur sur le mi, l'index sur le fa. Et le pouce sur le sol. Ok, et on fait pareil ici. C'est vraiment cette position des doigts qu'on veut avoir sur ce morceau-là, ça c'est très très important. Donc du coup, on commence la basse toute seule, la mélodie à la basse. Donc on commence avec le majeur sur le mi. Et ça va faire mi, petit doigt, do. Ensuite, on va aller sur le fa avec l'index. Et ça va être la descente. Fa, mi, ré, do. Ok? Donc on recommence ça va faire mi, do, fa, mi, ré, Ensuite on recommence mi, do, et là on va faire ré, mi, fa, sol. Voilà, et ça on le fait une fois. D'accord? Dans le morceau on le fait une fois. Donc on recommence tous ensemble. 1, 2, 3, 4 et mi, do. C'est la main droite qui intervient. Et on fait exactement la même chose. Fa, mi, ré, ré, mi, fa, sol. Ok, donc vous avez vu, hein, c'est la même chose. C'est un peu plus facile de cette main-là, vous le savez très très bien. Donc ça, voilà, une fois le premier thème, une fois tout seul sur la main gauche. Ensuite, une fois tout seul sur la main droite. Donc là, vous sautez une octave, vous voyez, vous avez le do ici. Il y a un do ici que vous laissez à vide et vous arrivez, vous, ici. C'est pour ça qu'après, sur la troisième partie, on fait les deux mélodies, la même mélodie, en même temps. Donc ça va faire. Ok, donc ça, c'est la troisième partie. Première partie, une fois la main gauche toute seule. Deuxième partie, une fois la main droite toute seule. Troisième partie, les deux en même temps. On fait exactement la même chose des deux mains. Ce qui nous amène à la dernière partie, les filles. Waouh! Et là, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Donc, on va faire une basse plus simple, mais elle va pas être la même. Ça va pas être les mêmes notes. Ok? Donc là, regardez. Une fois qu'on fait la dernière phase de la dernière, de la troisième tourne, donc ça va faire écouter. Là, on fait les deux en même temps. Voilà. Arrive là, attention, 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 là on arrive avec le majeur. Et ouais, donc là il va y avoir ça fait ré, mi, fa, sol, la. Et oui, c'est le majeur qui vient sur le la. Donc, pardon. Ok, donc
Donc là, on va voir, pour la dernière partie, on va voir que la main gauche. Donc ça va faire La, Fa, Do, La. Ok ? Donc on fait l'enchaînement des deux sur la main gauche. C'est très très important. Donc ça va faire, on est là. Si je fais la main droite en même temps avec les basses, donc vous avez bien vu, hein, on arrive. Et là, c'est le majeur qui vient. C'est très important. Donc ça va faire. Do. Très bien. La. Donc là, on va le faire lentement en entier. Ok ? On commence par la basse. Donc ça va faire. Je le fais une fois en entier, lentement, vous le regardez bien. 1, 2, 3, 4 et 1. Deuxième main. La même chose. Les deux en même temps. Avec le majeur ici, très important. On va faire que les basses. Très bien. Voilà. Et ça, on le fait deux fois. Ok, donc encore. Super. Et la fin. On fait que le La, tout seul. Ok, j'espère que ce morceau vous a plu. Ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous m'envoyiez une vidéo. Louison m'a envoyé une vidéo la semaine dernière du morceau d'il y a deux semaines. J'ai trouvé ça super. Donc voilà, si vous pouvez m'envoyer une petite vidéo, je serais super content. À très bientôt.